Senseiya est un des plus gros mangas de l'histoire, un shonen qui a marqué un tournant dans l'histoire des mangas. Sorti en 1985, il a littéralement révolutionné le monde du shonen et du manga en posant des bases que énormément de mangas encore aujourd'hui vont reprendre. Et comme tout bon shonen qui se respecte, Senseiya possède énormément de combats. Des combats tous plus épiques, incroyables, déchirants les uns que les autres. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser aux 10 meilleurs combats de Senseiya. Les amis, salut à tous, c'est Pegasus, et j'espère qu'aujourd'hui vous êtes prêts à faire brûler votre... Cosmo Energy, puisqu'on va s'intéresser aux 10 meilleurs combats dans l'œuvre de Senseiya. En tout cas, n'hésitez d'ailleurs pas à me partager votre combat favori de l'œuvre en commentaire, ce sera un plaisir pour moi de vous lire, comme à chaque fois. Alors, les meilleurs combats de Senseiya, c'est parti un duel mythique, clairement le combat le plus important entre chevaliers de bronze. C'est de là que le groupe va se former pour ne plus jamais se séparer. Lors des Galaxian Wars, Seiya et Shiryu du dragon se feront face sur le ring. Shiryu prend l'avantage et met Seiya au tapis. Tout le monde pronostique alors la victoire du dragon. Pendant que Seiya est à terre, Shunrei ira parler à Shiryu. Elle lui apprend que le vieux maître est tombé gravement malade. L'occasion d'ailleurs pour nous à ce moment-là de découvrir divers flashbacks sur l'entraînement de Shiryu. Et on verra d'ailleurs que celui-ci a littéralement inversé le courant d'une cascade mais c'est une dinguerie Bref, Shiryu est alarmé de l'état de santé de son maître et décide de finir le combat tout de suite pour pouvoir rentrer au plus vite en Chine. Shiryu lance alors le Rosancho Ryuha. Seiya ne parvient pas à bloquer ce coup et est envoyé au tapis par la puissance de celui-ci. Alors que Shiryu se prépare à quitter le ring, la victoire en main, le sein de Pégase se remet encore une fois debout et utilise le Pegasus Ryu Saiken. Cependant, les coups viennent s'écraser sans le moindre effet sur le bouclier de Shiryu porté à son bras gauche. Et c'est d'ailleurs le premier combat où nous verrons la détermination de Seiya. Celui-ci ne fait que tomber, mais surtout ne fait que se relever à chaque fois. Comme Rocky dans Rocky 1 face à Apollo Creed C'est trop stylé Seiya gît dans son sang et fonce sur Shiryu pour le frapper et un violent craquement se fait entendre. Pourtant, ce n'est pas le son de la boîte crânienne de Seiya mais celui du poing et du bouclier de Shiryu qui tombe en miettes. Seiya a foncé tête baissée sur le bouclier en se prenant un choc violent mais a retiré sa tête au dernier moment alors que Shiryu tentait de l'écraser avec son poing faisant ainsi en sorte que le sein du dragon frappe son propre bouclier. Seiya est étendu dans son sang et Shiryu lui retirera son armure qu'il considère dès lors inutile. Sans ses deux atouts, et à lui, par honneur, fera de même, bien que le dragon pense que c'est de la pure folie dans son état. Une démonstration d'honneur et de loyauté entre les deux chevaliers qui vont donc se battre à armes égales. Ce combat est tellement épique, purée Surtout que c'est au tout début du manga Lorsqu'il utilise le Rosan shoryu Shiryu doit abaisser son bras pour relâcher toute la puissance de son attaque, mais il lancera quand même sa technique et Seiya attaquera à son tour et le choc est très violent. Seiya est frappé à la tête et Shiryu au cœur, son point faible. Tous deux vont tomber, mais Seiya est le seul à se relever, ce qui le désigne alors comme le vainqueur. Les brancardiers vont donc amener Seiya hors du du ring tandis que les médecins font un pronostic pessimiste, le cœur de Shiryu a cessé de battre. Rei en larmes implore Seiya de faire quelque chose car elle sait qu'un coup de puissance identique pourrait faire repartir le cœur de Shiryu. Seiya sort alors de son brancard contre l'avis des médecins cherchant à sauver Shiryu, et le tatouage du dragon sur le dos de Shiryu commence d'ailleurs à disparaître, indiquant le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Shun d'Andromède prend alors Shiryu sur son épaule, Seiya vacille, mais les enfants de l'orphelinat l'encouragent et toute la foule se joint à eux, ce qui donne au jeune homme à la force de continuer. Seiya enverra un coup surpuissant, ce qui envoie Shiryu et Shen plusieurs mètres en arrière. Le cœur de Shiryu se remet à battre et les deux combattants peuvent rejoindre l'hôpital sous une foule en liesse. Ce combat aurait mine des rien pu être plus haut dans le classement tant il porte les gemmes des combats réussis dans Senseiya, La bravoure, l'héroïsme, le dépassement de soi, la tactique et à la fin un rebondissement sous l'acclamation de la foule en délire. Plus que la victoire de Seiya qui apparaît presque secondaire, c'est la présentation du chevalier du dragon et l'incroyable dialogue qu'il entretient avec Seiya ainsi que les multiples rebondissements lors de leur combat qu'il faut vraiment retenir. Ce combat est dans la légende, si bien qu'ils ont carrément essayé de le reproduire dans Seiya Omega mais forcément ça n'a pas eu le même effet. En plein arc du sanctuaire, nos héros n'ont plus beaucoup de temps avant que les 12 heures ne soient totalement écoulées. Nos quatre chevaliers de bronze traversent sans encombre la maison du Capricorne, mais une fois sortis, le sol s'ouvrira en deux. Seiya, Shun et Yoga arrivent à traverser le gouffre, mais Shiryu lui reste de l'autre côté car il a compris que la prochaine attaque de Shura du Capricorne les aurait tous tués. Une scène qui montre une fois de plus la bravoure et le sens du sacrifice de Shiryu. Le chevalier d'or se présente en disant qu'il est l'homme qui a tué Aiolos 13 années plus tôt. Ceci renforce donc la volonté de Shiryu de vaincre son Ennemi. Et c'est là le début d'un combat incroyable. Shura réussira à détruire le bouclier puis l'armure du dragon grâce à Excalibur. Shiryu, en très grande difficulté, fait face au combat le plus dur qu'il n'ait jamais mené. Et il n'a qu'une solution pour vaincre Shura utiliser le Rosan Koryuha, une technique que son maître Doko lui avait d'ailleurs interdit, mais c'est la seule solution. De là, Shiryu s'envolera dans l'espace avec son adversaire et est prêt à mourir avec lui. Shura dira à Shiryu que grâce à son armure d'or, il survivra plus longtemps et demande au dragon ce qui le pousse à se battre jusqu'à la mort et ce dernier lui rétorquera avec simplicité « Pour Athéna ». Et il lui explique ainsi ses convictions. Shura, face à une telle volonté, réalisera son erreur et se repent. Il lèguera alors son armure d'or à Shiryu pour lui sauver la vie, et lui lèguera également sa technique Excalibur. De là, Shura mourra seul dans l'espace. Il est mort en véritable chevalier. Un combat somptueux avec une mise en scène de dingue. Quand Shiryu s'envole dans le ciel avec Shura, on a tous chialé, on va pas se mentir Arrivé à Élysion, nos chevaliers de bronze feront face à Thanatos et Hypnos. Ces deux personnages font extrêmement flipper, vu la manière dont ils ont tué Pandore à distance et comment cette dernière par les deux. Thanatos est un dieu et prendra nos héros de haut. Il va les maîtriser, et jouer avec eux. Poséidon interviendra même pour aider nos chevaliers de bronze et cette aide extérieure est magnifique. L'ennemi d'hier qui vient en aide à l'ami d'aujourd'hui. Le dieu des nerfs, ayant repris provisoirement le corps de Julian Solo, fera parvenir cinq armures d'or à Élysion pour aider nos chevaliers de bronze. Et là, en une attaque, Thanatos pulvérisera les cinq armures d'or. Rendez-vous compte de la dinguerie quand même. On se dit mais comment nos héros vont faire pour le vaincre Néanmoins, les armures de bronze ayant été régénérées dans le sang d'Athéna ont eux aussi un pouvoir. Seiya fera ainsi brûler son cosmos à son paroxysme et fera apparaître une armure divine. Et quelle armure Quelle beauté De là, Seiya, sans grande difficulté, vaincra l'orgueilleux Thanatos. Et ce qui est magnifique dans ce combat, c'est qu'il y a énormément de tension, de suspense dans tout Sensei, On n'a jamais vu un adversaire aussi fort. Le gars a quand même explosé 5 armures d'or en même temps, en une attaque Moi je dis Hagra, Hagra. Hagla ha -ha Hagra bah. Et c'est surtout au cours de ce combat que nous verrons d'ailleurs pour la première fois Seika, la sœur de Seiya, la sœur de Seiya, celle qu'il a toujours voulu revoir. En plus de cela, les autres chevaliers de bronze Kiki, Marine, Shaina se sacrifieront un à un pour protéger Seika. Ils savent à quel point elle est importante pour Seiya. Et voir tout ça montre bien à quel point Seiya compte pour tout le monde. On sent toute la rage de Seiya. Il n'a qu'une envie éclater la gueule de Thanatos. Au moment où Seiya verra sa sœur, jumelée aux sublimes paroles de Athéna, c'est là que Seiya enflammera son cosmos et fera apparaître une armure divine. C'est magnifiquement incroyable un combat qui nous aura touché en plein coeur. Un des combats les plus iconiques avant les chevaliers d'or. Pour une fois d'ailleurs, Seiya n'est pas le grand gagnant et le grand héros de cette histoire. Ce combat est un petit peu le choc des boucliers. Le grand pop a missionné les chevaliers d'argent pour que ceux-ci tuent les chevaliers de bronze. Et parmi ces chevaliers d'argent, il y en a un qui est surpuissant, Algol de Persée. Celui-ci possède un bouclier à l'effigie de Médusa. Et comme cette dernière dans la mythologie, quiconque la regarde sera transformé en statue de pierre. Fermer les yeux ne suffit pas à échapper à ce Maléfice. Nos héros se feront ainsi pétrifier un à un. Et le seul encore debout est Shiryu, chevalier du dragon. Celui-ci, malgré toute sa fougue, ne réussira pas à atteindre Algol de Persée. Le pouvoir pétrificateur de son bouclier est beaucoup trop puissant et Shiryu sait que tous les espoirs reposent uniquement sur lui. De là, il prendra une décision radicale. Il se crèvera intentionnellement les yeux pour échapper au pouvoir de Médusa. Shiryu, aveugle, réussira finalement à vaincre son adversaire. Shiryu est le chevalier avec le plus grand sens du sacrifice. Le combat Shiryu contre Algol est tout simplement dantesque. Déjà, Algol inspire beaucoup de crainte suite à l'introduction qui a été faite de lui au sanctuaire juste avant. Ensuite, du début du combat jusqu'à la fin, il y a une tension énorme qui ne cesse d'augmenter. Et on va pas se mentir aussi, Algol relève un petit peu le niveau des chevaliers d'argent qui étaient présentés euh, dans l'arc qui leur est consacré. Parce que, en dehors de Marine, Shina et Misty, les autres ils sont un petit peu claqués. Ce le duel est tellement épique et mémorable que dans Senseiya Omega, encore une fois, ils ont essayé de le reproduire avec le fils de Shiryu. Mime se bat avec une harpe et sera opposé à Shun dans un combat sublime. Le chevalier d'Andromède est donc opposé à un adversaire qui semble aussi pur que lui. Sa chaîne refuse carrément de l'attaquer. Ces deux-là se ressemblent énormément sous plein d'aspects et c'est ce qui rend ce combat aussi beau. Mais Mime est un homme brisé. Il cache en lui une souffrance qui l'a marqué à jamais. Mime n'est pas en paix intérieure malgré ce qu'il laisse transparaître. Le guerrier divin d'Asgard semble trop puissant pour Shun car même la tempête nébulaire n'aura pas réussi à le vaincre. Apparaîtra alors Iki, et celui-ci plutôt que d'éclater son adversaire, cherchera plutôt à comprendre son passé. Et Mime va finir par craquer et nous révélera son histoire. Son père était Folkien, un des plus grands guerriers d'Asgard. Toutefois, il était très sévère et autoritaire avec le jeune Mime qui était tout le contraire. Un jour, Mimé trouvera une photo de lui bébé avec ses parents biologiques. Et c'est Folkien qui a tué ses parents et l'a adopté suite à ça. Mais une fois avoir eu suffisamment de puissance, Mimé décidera de venger ses parents et tuer son père adoptif. Toutefois, la réalité est différente. Shen avait ressenti une blessure intérieure profonde chez le guerrier divin. Et Ikki, grâce à l'illusion du phénix, va découvrir le véritable passé de Mimei, qui est en réalité dévoré par la culpabilité et se voilait la face. En réalité, Folkien a tué les parents de Mimei par accident, car ceci l'avait attaqué et pour réparer son crime, il adopta ainsi le jeune garçon et fera tout pour lui au péril de sa propre vie. Il était au petit soin avec Mimei. C'est mignon! Mais un jour, Mimei sera pris d'un excès de folie et de haine qui le poussa à tuer son propre père adoptif. Mourant les larmes aux yeux, Folkien témoignera tout son amour profond pour celui qu'il considérait comme son propre fils. Victime de l'illusion du phénix, Mime sera déchiré intérieurement et plein de haine. Il a un passé tellement traumatisant qu'il a vécu en fait dans le déni en se mentant à lui-même pour pouvoir vivre avec ce traumatisme. Il se mentait à lui-même surtout pour ne pas avoir à supporter le poids de cette culpabilité. Ce mensonge est devenu sa vérité. Mais Mime a trouvé en Iki la Adversaire idéal car celui-ci le comprend. Iki a lui aussi vécu des choses terribles et été empli de haine, mais a réussi à apaiser son cœur. S'en suivra alors un combat à mort entre les deux, pourtant on sent que Mime ne veut pas l'emporter, mais surtout tester les sentiments de Iki. et Mime trouvera ainsi la mort, le cœur légèrement apaisé, et dira ces mots avant son dernier souffle Si un jour je dois renaître, j'espère à nouveau pouvoir te rencontrer, mais cette fois en tant qu'ami. Oh purée, les émotions Merde Isaac est le gardien du pilier de l'océan arctique, ami d'enfance de Yoga et son histoire commune avec ce dernier est juste sublime. Isaac était un enfant pur, souhaitant uniquement la paix et la justice. Il voulait devenir chevalier pour vaincre les forces du mal et maintenir la paix. De l'autre côté, on a Yoga qui veut devenir chevalier avec un but égoïste si j'ose dire, puisqu'il souhaite avoir suffisamment de puissance principalement pour aller voir le bateau dans lequel repose sa mère au fond des océans. Une opposition peut même être faite entre ces deux personnages. D'un côté l'altruisme et la maturité, et de l'autre, l'égoïsme et l'immaturité ces deux garçons qui s'entraînaient ensemble dans le but d'obtenir l'armure du cygne étaient de vrais amis voire même des frères après plusieurs années d'entraînement yoga plongea sous la mer pour voir le corps de sa mère mais isaac inquiet pour son ami ira le sauver il y perdra même un oeil et surtout la vie jusqu'à ce qu'il soit sauvé par une créature des mers légendaire le kraken et surtout les amis on va pas se mentir isaac était beaucoup plus légitime pour devenir le saint du cygne il était beaucoup plus mature plus puissant et plus valide malheureux que yoga la réaction de yoga d'ailleurs lorsqu'il voit que son ami d'enfance est encore en vie est juste trop belle on peut y voir toute sa culpabilité et sa gratitude à son égard qui se battent avec un devoir de chevalier qui le pousse à tuer son ami d'enfance rongé par la culpabilité yoga entre guillemets offrira même un de ses yeux afin de subir le même châtiment que son ami le devoir de chevalier de yoga l'emportera et il tuera isaac avec la technique de leur maître l'exécution de l'aurore et symboliquement c'est très 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 fort isaac meurt de la mort Main de son meilleur ami qui a utilisé la technique de leur maître. Symboliquement, c'est ouf, c'est triste et beau, c'est Senseiya quoi. À Asgard, règne une règle cruelle. Lors de la naissance de jumeaux, il est interdit de garder les deux enfants et un doit être abandonné. C'est le drame qui arrivera à une noble famille du pays. Une jeune femme accouchera de deux garçons, Sid et Bud. Bud sera ainsi envoyé dans la forêt et livré à lui-même et sera recueilli par un paysan qui l'élèvera comme son propre fils. Bud a été abandonné dans la forêt mais son père a pris soin à ce moment-là de laisser une dague à côté de lui, dague sur laquelle est gravé son prénom. La vie de Bud n'a jamais été facile. Dès les premières minutes de sa vie, celle-ci était due Contrairement à son frère Sid, qui lui a eu la chance de grandir avec des parents dans un milieu aisé, etc. Les années passèrent, et Bud était contraint de chasser lui-même pour pouvoir manger. Mais un jour, en pourchassant un lapin pour pouvoir se nourrir, il tombera sur un jeune garçon qui lui ressemblait trait pour trait. Ce garçon prit peine pour l'animal, et suppliera Bud de ne pas le tuer et lui donnera une dague en échange. Cette dague était exactement la même que Bud, et dessus était marqué le prénom Cid. Dès cet instant, Bud comprit qu'il s'agissait de son frère jumeau, et le voyant ainsi vivre dans le luxe alors que lui trimait jour et nuit, ça va le rendre foudrage. Mais plutôt que de s'apitoyer sur son sol, il se servira de cette colère pour la transformer en motivation et s'entraînera jour et nuit dans l'espoir d'être reconnu à sa juste valeur. Bud a finalement été choisi comme guerrier divin tout comme son frère Cid. Néanmoins, alors que Bud pensait que son moment de gloire était arrivé, la princesse Hilda lui dira qu'il devra rester dans l'ombre de son frère jumeau et le protéger et que le seul moyen pour lui de devenir le seul et unique guerrier divin de Zeta serait le décès de son frère. Bud est donc forcé de rester dans l'ombre et de veiller à la protection de la personne envers laquelle il voue une haine féroce. Cid devra alors affronter Shun dans un magnifique combat. Shen, d'abord en difficulté face aux techniques glaciales de Cid, réussira finalement à s'en sortir après un duel acharné. Alors qu'il pensait pouvoir avancer dans sa quête, le chevalier d'Andromède devra faire face à un nouvel ennemi qui était là depuis le départ, Bud d'Alcor. Mais Shen, trop affaibli, sera secouru par son frère Iki qui prendra le relais. Ce combat fraternel, d'abord entre Shen et Cid, puis Iki et Bud, est comme un match miroir où on a d'un côté deux frères qui sont là l'un pour l'autre et de l'autre deux frères que le destin a déchirés. Bud laisse transparaître un cosmos rempli de haine. Mais Iki, grâce à l'illusion du Phoenix, réussira à percer les réels sentiments de son adversaire. Bud a toujours aimé profondément son frère malgré tout. Il a toujours veillé à sa sécurité dans l'ombre. Et malgré ce qu'il laisse transparaître, au fond de lui, il y a un amour fraternel profond envers Sid. Sid qui, lui, réussira contre toute attente à se relever et sécurisera Iki suppliant son frère d'achever le chevalier Phoenix et lui avec. Mais Bud en est incapable, même si Sid est Condamné à s'éteindre, il ne peut se permettre de lever la main sur son frère qu'il aime tant, surtout que celui-ci lui a avoué que lui ainsi que ses parents ne l'ont jamais oublié et qu'il avait toujours une place dans leur cœur. Sid trouvera ainsi la mort sous les yeux de son frère, mais il est mort heureux, heureux d'avoir pu revoir son frère jumeau et de voir que leur lien est aussi solide. De là, Bud abandonnera le combat et s'en ira, les larmes aux yeux avec le corps de son frère dans les bras. Bud rendra son dernier souffle et trouvera la mort suite à ses blessures et reposera auprès de son frère dans le froid. L'air de Asgard. Et paradoxalement, les deux frères n'ont jamais été aussi proches l'un de l'autre qu'au moment de leur mort. Lors de la bataille du sanctuaire, Aiolia a pris le temps d'avertir nos chevaliers de bronze concernant Shaka, le chevalier d'or de la Vierge. Si celui-ci ouvre les yeux, c'est la fin. Arrivés dans la maison de la Vierge, nos héros chevaliers de bronze se feront terrasser un à un par chaka qui semble même s'amuser avec eux. Au moment où Shun était sur le point de se faire éclater la gueule, son frère Iki apparaît pour le sauver et s'ensuivra alors un des combats les plus épiques et symboliques du manga. Shaka et Iki échangeront quelques coups et se jaugent mutuellement. La terrible vérité apparaît alors aux yeux de Iki. Dans le manga, Iki a déjà rencontré cet homme lorsqu'il avait gagné son armure. Celui-ci avait marqué sa mémoire afin de le terroriser s'il venait à le rencontrer à nouveau. Malgré toute sa bonne volonté, Iki se fait salement dominer, revenant sans cesse à la vie tel un phénix, Iki agace profondément Shaka qui décide d'employer son attaque suprême et de priver Iki de ses cinq sens. Iki privé de son premier sens comprendra pourquoi Shaka combattait les yeux fermés. En se privant d'un sens, il atteint plus facilement le cosmos suprême. Iki va donc tendre un piège à Shaka. Ce dernier, vaniteux et trop sûr de lui, va sauter à pieds joints dedans. Iki va souffrir le martyr en se laissant priver de ses cinq sens pour pouvoir se concentrer au maximum afin de découvrir le septième sens. Sa technique va fonctionner au delà de toute espérance et sous les yeux d'un Shaka qui n'a toujours rien compris. Pris. Iki va faire brûler son cosmos à son paroxysme, inspirant même de la peur à celui qui semblait si sûr de lui. Après avoir expliqué sa tactique à Chaka, Iki lui annonce qu'il va se sacrifier pour Athéna et pour ses frères. Chaka ressent un doute profond en lui. Pourquoi vaincre si cela signifie la mort Iki livre ici un de ses meilleurs combats. Ce combat tourne en fait autour de l'humilité. C'est d'abord Iki qui est obligé d'admettre son infériorité par rapport à Chaka. Iki va alors franchir une étape et sacrifier son amour-propre et et sa vie pour la gloire d'Athéna. Quant à Shaka, lui, il va recevoir sa première grande leçon de modestie. Il apparaît si sûr de lui qu'il en devient arrogant. Il croyait tout savoir sur tout et cet orgueil le perdra. Ikki va venir lui apprendre avec courage un esprit de sacrifice sans précédent que même un chevalier de bronze peut vaincre un chevalier d'or. Et Shaka en restera marqué à tout jamais. Car vous le savez, ce qui fait la puissance dans Senseiya c'est pas forcément le cosmos, mais c'est surtout la force de conviction pour une cause noble. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart du temps, des adversaires inférieurs vont battre des dieux et ce genre de choses parce qu'ils croient en des causes justes ce combat demeure l'un des plus longs de Sensei, on va pas se mentir, puisqu'il commence dès la maison du Cancer, grâce aux illusions que va faire Shaka. Saga, Shura et Camus ont pour objectif de traverser les douze maisons du Zodiac afin de se rendre auprès de Athéna. Et arrivés à la maison du cancer, ils seront victimes d'illusions. Pensant arriver bientôt à la sortie, ils ne feront que tourner en rond et se rendre compte qu'ils sont en réalité dans la paume de Bouddha. Et il n'en faut pas plus pour que les trois comprennent que c'est Shaka qui est derrière tout cela. Saga lui portera alors sa plus terrible attaque, son Galaxian Explosion. Par-delà la maison du cancer pour aller frapper Chaka dans la maison de la Vierge. L'attaque est si puissante et la distance si courte que le temple de la Vierge va prendre très cher, mais chacun n'aura pas une égratignure grâce à sa boule de protection. Des spectres réussiront à arriver devant Chaka dans le temple de la Vierge. Chaka va alors sortir un rosaire à 108 perles, autant de perles que de spectres. Et sur ces 108 perles marron, 11 sont noires, représentant les 11 spectres déjà morts. Sortis du fond du groupe, 3 spectres se dresseront. Pas à chacun. Kube, Mills et Ox. Ils attaqueront alors Chaka, mais l'attaque de ce dernier détruit leurs armures, laissant apparaître leur vrai visage. Il s'agit en réalité de Saga, Shura et Camus. En cumulant leurs attaques respectives, ils parviennent à effleurer Chaka qui décide alors de les laisser passer. Une fois les trois anciens chevaliers d'or dans son dos, Chaka se débarrassera très vite des autres spectres en une seule attaque. Chaka s'adresse ensuite à ses trois anciens alliés et leur demande s'ils ont réellement trahi Athéna. La réponse étant positive, il décidera alors de les affronter et les conduit sous les arbres du Twin Sail, là où Bouddha s'est allongé pour mourir. A cet endroit, derrière le sixième temple du sanctuaire, se mènera un combat sans merci. Chaka se défend avec ardeur, mais la tâche est rude face à trois des plus puissants chevaliers d'or, mais Chaka réussira néanmoins à leur faire perdre une bonne partie de leur sens. Saga, Shura et Camus sont en énorme difficulté et Chaka leur fera comprendre qu'il n'existe qu'un seul moyen de le vaincre, utiliser l'attaque ultime interdite par Athéna, l'Athéna Exclamation. Cette attaque interdite vaut à ses utilisateurs le déshonneur et la radiation de l'ordre de la chevalerie. Chaka se remémorant en son enfance et ses discussions avec Bouddha trouvera ainsi la mort. Après l'Athéna exclamation, l'âme de Chaka revient se poser et adresse un dernier message à Athéna, un message aux lettres de sang sur les pétales du Twin Sail. Araya Shiki. Ce combat grandiose permet surtout de comprendre davantage les saints renégats. Il existe bien une raison cachée, nichée dans leur volonté de ramener la tête d'Athéna à Hadès. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore vraiment laquelle. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils hésitent à ce point à utiliser la technique interdite d'Athéna, qui les effacerait en fait définitivement de l'ordre de la chevalerie. Et ce qui est beau dans ce combat, c'est qu'on ressent vraiment toute l'admiration que peuvent ressentir Saga, Shura et Camus à l'encontre de Chaka. En réalité, Chaka était prêt à mourir et souhaitait se. Et on comprendra d'ailleurs pourquoi dans la suite de l'œuvre. Chaka avait tout prévu puisqu'il savait que Sagashura et Kamus étaient surveillés. Donc, il a fait croire à Hades que ses trois chevaliers l'ont tué, prouvant ainsi la fidélité de Sagashura et Kamu à Hades. Ce combat mélange donc émotion, surprise, puissance, révélation et surtout confiance. Le lien entre ces quatre personnages est juste magnifique. Après le sacrifice de Shiryu dans la maison du Capricorne, nos héros arriveront à la maison du Verseau où Camus les attendra, et forcément, ce combat, c'est à Yoga de s'en charger. Camus est l'homme qui a tout appris à Yoga, plus qu'un maître, Camus était aussi une figure paternelle pour le chevalier du Cygne. Camus, en larmes, avait déjà enfermé Yoga dans un cercueil de glace dans la maison de la balance, afin de lui épargner les futures souffrances qu'il pourrait avoir, le pensant trop faible pour vaincre des chevaliers d'or. Et lors de ce combat, Camus va être surpris et aussi fier de son élève. Un combat dantesque a lieu dans la maison du verso dans lequel yoga se fera au début malmener et d'ailleurs le seul moyen de geler une armure d'or est d'atteindre le zéro absolu chose que yoga réussira à faire grâce à sa volonté camus se mettra alors dans la position de l'exécution de l'aurore pensant que son adversaire ne pourra pas reproduire ce miracle au grand étonnement de camus yoga adopte une position similaire à la sienne camus ne pense pas que son élève soit capable d'employer par imitation une technique qu'il a lui-même mis un temps fou à maîtriser pourtant ils vont lancer tous les deux l'exécution de l'aurore en même temps, les rayons vont se heurter, et c'est magnifique Dans la maison du Verseau, Camus félicite alors Yoga et constate qu'il n'a plus rien à lui apprendre. Yoga, tu es plus mort que vivant, et pourtant tu as réussi à me porter un coup fatal. Yoga s'est éveillé au septième sens, a maîtrisé le zéro absolu et a ainsi surpassé Camus. Ce dernier reconnaît que son élève se battait pour une cause juste, il aimerait que son disciple survive pour servir la justice. Camus, à bout de force, s'effondre et rend son dernier souffle. Yoga en larmes. Arme, remercie Kamui d'avoir offert sa vie pour lui montrer la voie du zéro absolu et s'écroule à son tour. Purée, les émotions Un combat légendaire qui nous a vraiment tous laissés en miettes, notamment grâce à l'émotion, la direction artistique qui a été utilisée notamment dans l'anime et surtout la musique de Seiji Yokoyama. Et en plus de ça, les réactions de Shun et Seiya ont ajouté énormément d'émotions à ce combat. C'est juste splendide les frissons Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les 10 meilleurs combats de Saint J'aimerais quand même citer quelques mentions honorables, notamment le combat des chevaliers de bronze contre Poséidon qui auront d'ailleurs chacun une armure d'or, c'est tellement épique. On a également le combat de Seiya contre Aldebaran qui est un combat important et décisif qui permet de poser les fondamentaux de la bataille du sanctuaire et également Seiya contre Aiolia lors de l'arc du sanctuaire. Ce combat-là est totalement fou, mais c'est surtout le dénouement de cette bataille qui en fera un moment inoubliable de l'œuvre avec le sacrifice de Kass on est face à un homme qui, par amour, se sacrifie pour son ennemi car la femme qu'il aime est amoureuse de son ennemi. C'est une dinguerie Cassos, bien que n'étant pas un chevalier, a montré tellement de bravoure. C'est un véritable héros et à travers son geste, il a à la fois sauvé Seiya, Aiolia et le cœur de Shaina. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis sur mon top et surtout me partager en commentaire votre combat favori à vous dans Seiya. ça m'intéresse énormément de savoir. Bref Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. et plein de vidéos sur Senseiya qui vont continuer d'arriver. Donc, restez branchés et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Salut!